RFM, le Zap Télé. N'oubliez pas de jouer au jackpot, bien oui. Évidemment. Vous nous envoyez SMS, RFM au 739-16, il y aura un tirage au sort. Voilà, et vous pouvez gagner jusqu'à 1500 euros. Hein. C'est pour tous les amis qui me demandent comment on fait pour jouer au jackpot. Voilà, tiens, Olivier Kahn, c'est pour toi. Voilà, et on va zapper la télé comme tous les matins à 8h37. On démarre avec France 2 dans Les Amours. On a rencontré un couple pas très synchro sur le fait de faire des câlins. Le câlin, il aura bien lieu ce soir. Ah, j'ai pas compris la question. Est-ce que le prochain câlin, il aura lieu ce soir? Bah non. Mais si. Mais non. Il a eu lieu hier. Tu vas pas encore le refaire ce soir. Ah. Et en même temps, quand j'entends la voix de la dame, j'ai pas très envie. C'est un sketch quand même, les deux. Hein. Et puis sur Canal+, dans le jour de Brennus, on a suivi le joueur de rugby Jamie Cudmore dans les tribunes du Stade de France pendant la finale de Top 14. Il ne pouvait pas jouer car il était blessé. Ça ne l'a pas empêché de donner son avis des tribunes quand il n'était pas d'accord avec l'arbitre. Plaquage, c'est une plaquage. C'est pas possible. Putain, on va jouer checker semaine prochaine par les enculés. Et tu sais bien, c'est pas un carton jaune. Pierre, oh, mais même pas. C'est un plaquage, putain, c'est pas possible. Bam, c'est bien, bro, continue comme ça, bro, c'est bon. C'est quelque chose. Il n'a pas de main morte. Ouais. Puis dans le Grand Bêtisier de TF1, on a eu le droit à un joli bug de Jean-Pierre Foucault. Eh bien, ce matin, malgré cette grève et les protestations qui se multiplient, le Premier ministre persigne et signe, la réforme sera mise en œuvre. Voilà, Jean-Pierre Pernaud, pas Jean-Pierre Foucault. Oh, bah, de toute façon, ça bug un peu partout ce matin. Oui, moi, je bug un peu ce matin. Pauvre chaton. Allez, à retrouver en image sur la chaîne YouTube RFM et la page Facebook du Meilleur des Réveils RFM. Rendez-vous demain pour un prochain Zap Télé. RFM.